Yo les gens, c'est Fer, j'espère que vous allez bien en cet avant-dernier week-end de juillet. Nous avons manqué le rendez-vous hebdomadaire pour l'actualité Assassin's Creed la semaine dernière, et pour cause, il n'y avait pas forcément énormément d'actu à propos d'Assassin's Creed. Alors quitte à faire une vidéo pour ne rien dire, autant ne rien faire. Par contre cette semaine, on a pas mal de choses à se dire, étant donné que pas mal de trucs sont tombés sur la licence cette semaine, et je vais en profiter également pour vous faire une piqûre de rappel sur ce qui a été dit la semaine dernière. Alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti. It is a good life we lead, brother. Eh bien, première news à tomber pour cette semaine, c'est un gros départ chez Ubisoft et notamment pour la licence Assassin's Creed, puisqu'en effet, Raphaël Lacoste, art director chez Ubisoft, travaillant notamment sur la licence Assassin's Creed, quittera bel et bien la boîte française après plus de 16 ans de bons et loyaux services. Et dans ces 16 années, il aura travaillé sur 8 jeux Assassin's Creed, notamment Assassin's Creed Origins et Valhalla pour ne citer que. Autant dire que la direction artistique de ces deux pépites est en partie due au travail de Raphaël Lacoste. Son départ fait suite au départ de Darby McDavid, qui lui aussi, scénariste sur Assassin's Creed, était une grosse tête de la licence, donc ces deux départs me font un petit peu peur et me font douter quant à l'avenir de la licence, mais il y a encore un petit peu d'amour au fond de moi qui fait confiance à Ubisoft et espère que les personnes prenant la place de Monsieur McDavid et de Raphaël Lacoste seront à la hauteur de nos espérances et feront briller de mille feux la licence à nouveau. Cette semaine également, il y a eu une fausse date de sortie du DLC Le Siège de Paris qui a vu le jour sur le net. Alors comme je viens de vous le dire, je mets fin en suspense tout de suite, effectivement c'est bel et bien un fake. Donc sur cette image que vous voyez à l'écran, on pouvait voir un petit résumé du DLC qui nous parlait encore une fois de Charles le Gros comme on en avait déjà parlé sur une ancienne vidéo qui sera l'antagoniste principal du DLC normalement, et ce screen nous disait que le DLC était fixé pour le 5 août 2021. Donc nous, dès qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de rentrer en contact avec Ubisoft et on nous a tout de suite démenti la chose, non le DLC ne sortira pas le 5 août. En même temps, ça paraissait un petit peu trop beau pour être vrai, étant donné que le 5 août, c'est dans deux semaines, et qu'on a toujours zéro communication sur le prochain DLC, donc il va falloir prendre notre mal encore un petit peu en patience pour apprendre la vraie date de sortie de ce prochain DLC. Même si je me doute que ça ne tardera pas, étant donné qu'il doit sortir avant la fin de l'été, soit dans un petit peu moins de deux mois. Bon, par contre, pour la prochaine news, on va rester sur le DLC Le Siège de Paris, cette fois-ci non pas avec une fausse date de sortie, mais bel et bien la vraie liste des trophées qui seront débloquables dans le DLC. Donc cette liste se compose de 9 trophées, bronze et argent. Je vais vous citer ces 9 trophées un à un en vous disant ce qu'ils vous demanderont de faire. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, rendez-vous à ce timecode pour ne pas être spoilé. Maintenant qu'on est entre personnes consentantes, passons directement au trophée. Le premier, faites ce qui est bon, je traduis brièvement, vous demandera tout simplement de terminer le DLC. Le second, sachez ce qui est bon, vous demandera de compléter toutes les régions de Francie, la nouvelle région qui sera disponible comme vous le savez sûrement pour ce nouveau DLC. Ensuite, Winnable 3, bon j'avoue j'ai pas de traduction formelle, vous demandera de vaincre les 3 nobles francs. Donc ici le trophée nous laisse supposer qu'il y aura 3 cibles majeures à vaincre dans ce DLC. Vive la résistance, pas compliqué à traduire cette fois-ci, vous demandera d'atteindre le niveau maximum d'infamie dans l'émission Rebelle. Bad Bull lui se débloquera en vainquant le boss fantôme d'Orok. Nous aurons également Vendange qui vous demandera de tuer un ennemi avec la faucille en étant vêtu de la tenue de faucheur. Pat de Cat qui nécessitera de caresser tous les chats à Évreux. Donc pour ce trophée, on apprend bel et bien qu'il y aura une autre zone que Paris à explorer, donc notamment de la verdure et la ville d'Évreux, à voir la taille qu'elle fera, mais personnellement je mise bien sur une map un petit peu plus grosse que le DLC La Colère des Druides. L'Aise Majesté, elle, vous demandera de compléter 10 missions de rebelles. Et pour terminer, il y a un trophée caché, pour le coup c'est moi qui ai pas voulu me faire spoiler, donc j'ai pas creusé la chose. Donc si jamais vous vous en foutez d'être spoilé sur ce trophée, et n'hésitez pas à aller voir sur internet, vous trouverez ce qui se cache derrière ce trophée masqué. Et pour en finir avec toutes ces histoires de DLC mise à jour, puisque oui, le DLC arrivera via une mise à jour, Ubisoft a communiqué sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, que la prochaine mise à jour d'Assassin's Creed Valhalla permettra aux développeurs d'introduire les épées à une main dans le jeu. Alors oui, on nous avait dit que les épées à une main arriveraient avec La Colère des Druides et on a eu une faucille, alors... Mais cette fois-ci, je vous parle bel et bien des épées à une main telles qu'on les a vues durant l'Ubisoft Forward, notamment avec le thriller du DLC du Siège de Paris. Donc quelque chose qui me fait penser que la sortie du DLC n'est pas si loin que ça, c'est que Ubisoft avait de base communiqué sur le fait que l'épée à une main arriverait avec le Siège de Paris. Donc si la prochaine mise à jour introduit les épées à une main, eh bien il faut se dire que si prochaine mise à jour il y a bientôt, eh bien DLC du Siège de Paris il y aura bientôt également. Bon, cette fois-ci, c'en est bel et bien terminé pour le Siège de Paris et toutes les mises à jour d'Assassin's Creed Valhalla. Passons maintenant à autre chose, un petit peu moins intéressant pour la grande majorité d'entre vous, mais les personnes collectionneurs ou ayant adoré leur log vont être plutôt intéressées par cela. Et ceux qui sont moins intéressés, partez pas tout de suite, profitez-en pour lâcher un petit pouce bleu et un abonnement si c'est pas déjà fait et que la vidéo vous plaît bien entendu. Et puis on se retrouve juste après pour parler de quelque chose d'assez intéressant, notamment Assassin's Creed Infinity et la suite de la licence. Mais en attendant, attardons-nous sur les goodies, notamment une nouvelle figurine, l'horlogue et le troisième tome d'Assassin's Dynasty.
Donc comme je viens de vous le dire, le troisième tome d'Assassin's Creed Dynasty a enfin trouvé sa date de sortie. Il verra le jour le 7 octobre 2021. Donc il vous reste 2 mois et demi pour rattraper votre retard si jamais vous n'avez pas encore lu les deux premiers opus d'Assassin's Creed Dynasty, qui raconte l'histoire de Lee, un assassin japonais à l'histoire très intéressante. Donc si vous ne les avez pas déjà lus, et ben je vous invite à les acheter dès maintenant. Vous aurez sûrement le lien en description. Deuxième goodies plutôt intéressant, je vous ai dit qu'on avait fini avec Valhalla. Pas vraiment. Si vous avez joué à Valhalla et que vous êtes comme moi tombé amoureux de l'horloge, et bah vous faites sûrement partie des joueurs qui demandent à Ubisoft de sortir une version physique de l'horloge pour pouvoir y jouer avec vos amis et faire découvrir ce jeu viking à d'autres personnes. Et bien Ubisoft nous a entendu et avait sorti une édition super chère à 250$ et exclusive aux États-Unis. Alors autant vous dire qu'une très petite minorité pouvait mettre la main dessus. Mais ayant entendu les fans se plaindre, Pure Arts, qui a développé ce jeu d'horloge à 250$, a décidé de lancer un Kickstarter, donc un projet participatif que vous pouvez financer à hauteur de 40$ pour avoir la version du jeu. Bien entendu, si vous participez à ce projet, vous ne le recevrez pas tout de suite. Il vous faudra attendre décembre 2021 avant de recevoir votre version physique de l'horloge. Et donc plusieurs tarifs s'offrent à vous. Si je ne dis pas de bêtises, il y a le 40$ qui est la version de base avec juste l'horloge dedans, et la version ultime à 240$ canadien qui elle inclura le jeu de l'horloge, la corne d'Ivor pour appeler le Drakkar, et d'autres bonus que vous voyez à l'écran. Et pour en finir avec les goodies, encore une fois avec Valhalla, une nouvelle figurine de Ivor a été annoncée par Goodsmile Compagnie, donc ça sera pas une figurine comme on a l'habitude de les voir, comme vous pouvez voir en arrière-plan ici. Non, cette fois-ci ce sera un type de pop un petit peu asiatique, donc des figurines qui s'appellent Nandoride. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais moi personnellement ça aura une bonne place dans ma collection et ce sera disponible pour 65€. Donc je vous avoue, ça fait un peu cher pour ce type de figurine, mais tout mon collectionneur l'aura dans sa collection. Terminons-en avec une petite prise de parole d'Ubisoft, notamment pour ses investisseurs, durant laquelle l'entreprise française confirmait qu'Assassin's Creed Infinity resterait fidèle à l'expérience narrative de la licence tout en la développant. Donc jusque-là, c'est une question de confiance. Est-ce que vous faites confiance à Ubisoft pour tenir parole ou non? Bah, je peux pas le dire à votre place. En tout cas, c'est ce qu'Ubisoft prétend et c'est ce qu'ils veulent faire. Et ils ont profité également de cette prise de parole pour annoncer que chaque année, sans exception, du contenu Assassin's Creed sortirait, même s'il n'y a pas de sortie de nouveaux jeux. Donc cela annonce du contenu sur long terme pour chaque jeu qui sortira à l'avenir. Et bien entendu, c'est pas parce qu'ils disent pas de nouveaux jeux chaque année qu'il n'y aura pas forcément de remake ou de remastered. Blink blink, Assassin's Creed 1 remake. Mais enfin bref, c'est tout ce qu'il avait à dire pour cette hebdo news. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et dites-nous la news qui vous hype le plus. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. C'était First pour la Assassin's Experience en direct de vos écrans. Et paix et sérénité.